Les supporters font des cris de singe à un autre qui a la même peau que leur joueur. Racist taunts as well as prejudice continues to blight world football. Recently, we've seen Cameroon's international Malcolm Bukele, or to talk about Kyle Tukwe Kambi with his ex-club Lyon, or am I to mention another countryman, Victor Osimhen, with Napoli, the list of victims is endless. We'll be talking to fans to tell us what they think about this and how can it be eradicated in the most loved sports. Non, je pense que le racisme, pas seulement dans le foot, le racisme de manière globale, c'est un peu comme le tribalisme, c'est quelque chose d'immonde qui nécessiterait être éradiqué. Les gens ne sont pas ce qu'ils sont en fonction de la couleur de leur peau ou de la tribu à laquelle ils appartiennent. On est tous des êtres humains, le sang est le même, hein, que vous soyez blanc, jaune, rouge ou kaki, le sang est rouge, on a les mêmes émotions, on a les mêmes sensations, on ressent les mêmes choses. Donc je pense que c'est une chose qui est vraiment ignoble. Je pense qu'aujourd'hui la FIFA et l'UEFA notamment ont pris des mesures importantes dans l'optique d'éradiquer le racisme dans le football en excluant systématiquement des gens qui sont reconnus coupables d'actes ou de propos racistes à l'endroit des joueurs. C'est dommage qu'on le fasse pour les joueurs. Vous allez voir un match de football, les joueurs ils jouent tous pareil, ils transpirent tous pareil. Pourquoi vous mettre à crier sur un joueur? Samuel Eto'o, le président de la FICAFOOT aujourd'hui, en a été victime. Plusieurs grands joueurs africains en ont été victimes. Ça n'a aucun sens. Même des joueurs, des grands joueurs brésiliens. Je me rappelle encore Dani Alves avec l'histoire de la banane. Donc les mesures qui sont prises aujourd'hui, c'est de faire en sorte que des supporters qui sont reconnus coupables de propos ou d'injures racistes envers des joueurs soient exclus des stades pour un moment. Mais je pense que pour un moment, ça ne suffit pas. Il faut les exclure définitivement des stades parce que ces gens-là, ils n'ont rien à voir dans les stades. Comme je pense qu'il faut pénaliser le racisme dans la société de manière normale pour qu'une personne qui est coupable de propos racistes soit sévèrement punie par la loi et pourquoi pas par une peine de prison. Le racisme, peu importe le milieu, est d'abord un fléau, non seulement pour les Noirs et aussi pour les autres. Ce ne sont pas que les Noirs qui font preuve de racisme, il y a aussi également d'autres minorités qui font preuve de racisme. Maintenant, comment résoudre le problème? À mon avis, je dirais qu'on devrait suspendre lourdement ceux qui font preuve de racisme, que ce soit les supporters ou même les joueurs qui sont au stade. Parce que le cas avec Lukaku, par exemple, qui a eu lieu dernièrement lorsqu'il a été hué et à qui on a donné un carton jaune, pour moi, c'est un peu trop sévère. Donc la solution pour moi, c'est de sanctionner lourdement ceux qui font preuve de racisme, que ce soit dans le terrain ou en dehors du terrain. C'est juste ça. Sinon, les banderoles, comme elles respectent ou nos racismes, ne vont servir à rien. En fait, c'est ça mon avis. Mon ami, qu'il faudrait sanctionner vraiment lourdement. Peut-être sur un plan financier aussi, parce qu'on sait tous que le ballon génère beaucoup d'argent et parfois c'est un conflit d'intérêts. Pourquoi pas sanctionner non seulement en privant des spectateurs de stade, en privant, en donnant des amendes aussi. Et ce n'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Je pense que plusieurs personnes sont victimes, comme Upamecano par rapport au match qui s'est passé hier. En vue de Bayern contre Manchester City. Donc, moi, je pense que les mesures qu'on peut prendre pour éradiquer cela doivent être concrètes. Donc, la FIFA doit plus s'apesantir parce que les Africains aujourd'hui souffrent. Ceux qui sont de couleur noire en souffrent aujourd'hui. Et je pense que cela mérite une abolition concrète pour permettre aux jeunes footballeurs qui vont venir de différents horizons pour mieux avoir une vision du foot plus, parce que cela est aussi psychologique, puisque Kyle Tukwe et Kambi est copé de cela, parce que ça lui a permis de changer de club. Et je pense que vraiment, il doit avoir des leaders pour cela, pour éradiquer complètement ce fléau. Le principe du jeu, le racisme ne doit plus être utilisé comme, ne doit plus être considéré comme un problème, parce qu'on s'est rendu compte que les joueurs qui sont souvent victimes de racisme sont des joueurs importants pour l'équipe. Et qui dit important pour l'équipe dit problème pour l'adversaire. Ça veut dire quand l'adversaire se met à scander racisme pour un joueur, c'est pour le déstabiliser parce qu'on sait qu'il est un danger pour l'équipe. Donc aujourd'hui, moi je vois plus ça comme une méthode de déstabilisation de certains joueurs. Ça ne doit plus être considéré comme racisme. Parce que lui-même, il sait déjà qu'il est noir, ça se voit. Le fait qu'on lui rappelle encore qu'il est noir, je ne trouve pas que ça peut être un problème. Au point où il puisse se plaindre jusqu'à sortir de son match. Ouais, un peu.
Donc d'habitude, quand c'est un club, quand le racisme contre un joueur, c'est parce qu'on sent qu'il est important pour son équipe. Les autorités sportives devraient prendre des mesures pour combattre ça, vous voyez un peu. Donc si par exemple, il y a un joueur qui tient un autre de racisme, on doit prendre des mesures très sérieuses pour faire ça. Donc du coup, nous devons encourager les joueurs, nous devons les encourager. Nous devons aussi, bon, en fait, donc dans le terme de football ici, vous voyez un peu, n'est-ce pas, on ne doit pas avoir le racisme, on ne doit pas dire tu es noir parce que ce blanc ne peut pas jouer avec nous. À mon avis, je me dis que le racisme, c'est un fléau qu'il faut éradiquer et les clubs se mettent à pied d'œuvre pour ce problème. Quand on se rappelle par exemple de l'exemple de Malcolm Bekele, international camerounais qui évolue du côté de Bordeaux, qui a subi des propos racistes, on se dit que bon, c'est toujours comme ça dans ce milieu, mais on espère que ce fléau sera toujours, sera un fléau éradiqué par tous les clubs. The World Football Governing Body has laid down strict rules in order to get rid of this societal ill. However, that hasn't bear fruit, as we still see that in modern days. Well, let's listen to what sports pundits have to say about this and if FIFA's rules have been enough. La FIFA ne s'est réellement pas encore saisie de la question du racisme à travers le monde. Quand on veut éradiquer un phénomène, on prend des mesures assez fortes pour pouvoir l'éradiquer. Et jusqu'à aujourd'hui, l'expérience que j'ai du football ne me laisse pas l'impression que réellement il y a une véritable intention de la FIFA de pouvoir éradiquer le racisme. Il ne me souvient pas d'un club qu'on a par exemple relégué parce que ses supporters ont fait des cris racistes, à l'endroit d'un joueur adverse. Il ne me souvient pas d'un public qu'on a complètement exclu du stade de façon définitive suite à des propos racistes. Donc je pense que les mesures qui sont prises jusqu'ici par la FIFA pour en direction du racisme sont pour ma part des mesures assez cosmétiques mais qui ne résolvent pas réellement le problème. À partir du moment où on va décider de se prendre ou alors de prendre en main réellement ce problème, on va l'éradiquer. Je vous prends l'exemple des hooligans. En Angleterre par exemple. En plus des sanctions financières par exemple qu'on devrait pouvoir imputer à des clubs, on devrait pouvoir prendre des mesures assez radicales. Ça je l'ai dit encore tout à l'heure. C'est-à-dire, si on décide par exemple qu'en cas de cri raciste, le stade ou alors les gradins du club restent fermés pendant 2 ans, par exemple. Cela a un impact considérable sur les finances du club parce que le club saura que s'il n'a pas des supporters qui viennent voir les matchs, il n'y aura pas d'argent. Et du coup, les clubs eux-mêmes en interne commenceront à prendre des mesures assez importantes pour, n'est-ce pas, éduquer déjà leurs supporters à la question raciste de façon à ce qu'ils ne puissent plus faire ces actes-là. Mais quand on prend des mesures que j'ai appelées cosmétiques tout à l'heure, de façon à suspendre un joueur, suspendre un public sur 2 matchs, 3 matchs, je pense moi pas que c'est très insuffisant et cela va toujours continuer à faire perpétuer ce phénomène dans les stades. Aujourd'hui par exemple, quand on voit encore ce qui s'est passé récemment avec un garçon comme Malcolm Bekele du côté de Bordeaux en France, mais ça montre clairement que en réalité, les dirigeants du football n'ont pas encore mis le doigt là où il faut mettre le doigt. Quand on le mettra effectivement, je vous dis que les gens vont sentir le danger en face et ne commettront plus des actes de racisme. Le football, malheureusement, est un sport, est une discipline qui génère beaucoup de tensions. Et quand il y a de la tension, on ne se contrôle plus. Les foules, généralement, sont incontrôlables. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que quand on prend des mesures, il faut que ce soit des mesures du genre à ce que quand quelqu'un quitte de chez lui pour aller au stade, qu'il sente qu'en cas de cri raciste, mon club sera sanctionné, je serai sanctionné encore moi-même et peut-être même beaucoup d'autres personnes dans mon entourage, en termes de groupe de supporters et autres, seront sanctionnés. Donc, si ces mesures-là sont des mesures qui sont du genre à pouvoir toucher non seulement le joueur, son club et même son entourage, je pense que les clubs eux-mêmes déjà en interne prendront des dispositions et ensuite les ligues et même les instances fédérales et la FIFA seront aussi comment suivre derrière pour pouvoir éradiquer ce phénomène. The no racism and ban, the 1-0 on the ground, seem to be a facade as this is still happening in the world of sports. But as you've listened, well, it's now in the hands of FIFA and the other federations to take stricter measures so as to ensure that this doesn't happen again. No player has to go through this, and we pray that will be the case in years to come. But well,
Well, it's been fun shooting this episode talking about, you know, racism in football. And I hope you guys come back again to watch this and let's get interactive, you know. Tell us, what do you think about it? Tell your neighbor, what do you think about it? Tweet about it. What do you think about it? And if you're tweeting, make sure you tweet football on the street, F-O-T-S, hashtag F-O-T-S. But from here, it is only La Donette Ondesa. And behind the cameras is the emblematic Z Pierre. Have a wonderful time. Bye-bye.